sport collectif de la Belgique. Je vous dis merci parce que vous respectez les mesures qui ont été prises pour vous protéger, pour protéger les êtres qui vous sont chers. La réussite de notre lutte contre le Covid-19 est intimement liée. On nous a dit que l'acte de sortie, sans y être obligé, est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à mon pays si tourmenté. J'ai pris une dose de whisky afin de surmonter la réunion avec tous ces ministres de la santé. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, après nos voisins, je voyais pas d'autre solution. Au Parlement, j'ai couru parler au peuple belge sur ce ton. Mes chers flamands, une beste Wallen, bruxellois, reprenez avec moi. Pas de sortie avant la fin de la pandémie. Pas de sortie avant la fin de la pandémie. Sortie. Et maintenant sortir est devenu péché mortel. Tu peux faire tes courses, ton jogging c'est pareil. Mais pas de sortie avant la fin de la pandémie. Puis j'ai réclamé leur confiance et observé les réactions sur certains visages d'indépendants. Se reflétait surtout l'indignation. Mais le lendemain, visiblement, la plupart n'avaient rien compris. Ils jouaient au foot dans les parcs. Alors gentiment, je leur dis, mes chers flamands, mon best Wallen, bruxellois, reprenez avec moi. Pas de sortie avant la fin de la pandémie. Pas de sortie avant la fin de la pandémie. Sortie. Maintenant sortir est devenu péché mortel. Tu peux faire tes courses, ton jogging c'est pareil. Pas de sortie avant la fin de la pandémie. Une fois que j'aurai applaudi. Mes chers flamands, même Beste Warren, doucement reprenez avec moi. Pas de sortie avant la fin de la pandémie. Pas de sortie avant la pandémie. Maintenant sortir, péché mortel. Tu peux faire tes courses, ton jogging c'est pareil. Mais pas de sortie.